Tenu dans la cour de l'arrondissement de Rinvi, sous la houlette du Hunogan Abime Vimagberunha, la cérémonie de ce samedi 17 juin 2023 revêt une importance particulière pour la confrérie des adeptes et dignitaires de tronc du Bénin, Kodat. En effet, après l'installation des membres dans l'arrondissement d'Agbanou, c'est au tour des membres de l'arrondissement de Rinvi d'être officiellement installés selon les valeurs et principes de la dite confrérie. Une cérémonie festive aux couleurs de la divinité a marqué la présence de plusieurs hauts dignitaires et des adeptes du culte endogène et rehaussé par la présence du chef de l'arrondissement de Rinvi. C'est une grande joie pour moi ce matin de voir installer le bureau qui coiffe désormais les dignitaires du tronc dans mon arrondissement. C'est vraiment une grande joie parce que, vous savez, en tant que chef d'arrondissement, j'ai aussi besoin d'un cercle des cadres dignitaires qui, de commun accord avec le chef de l'arrondissement, va travailler pour l'évolution et le règlement de tout problème qui peut aussi intervenir au niveau de l'arrondissement. Donc c'est vraiment une joie pour moi, ça fait un de plus et je profite en même temps pour demander aussi aux autres secteurs. Je vais parler d'autres secteurs de Vaudou. Aujourd'hui, c'est Tron. Nous avons aussi Sakpata. Nous avons les dignitaires dedans. Si on peut avoir quand même la tête par secteur, ça va vraiment profiter aussi à l'autorité que je suis pour le bon travail au niveau de l'arrondissement. Il y a des gens qui pratiquent le fétiche de manière d'une autre. Donc on est obligé de se connaître, on ne se connaît pas trop. Donc quand on va se connaître, on est obligé de se mettre dans un creuset. C'est ce qui nous a motivés à rentrer dans le Kodat. Et ça, les gens nous donnent des conseils, nos Hunogan, nos suprêmes, les Hunogan Tchédi, les Hunogan Toi, les Hunogan Dede Kinobi Akoute. Ce sont nos devanciers. Ils nous donnent des conseils et nous on suit. Et ça nous fait du bien. Parce que c'est un fétiche qui, je vous ai déjà dit que ça intervient partout. Tout là où il y a l'amour, là où il y a la solidarité, ça intervient. J'invite tout le monde de venir goûter un peu le fétiche tronc. Né pour défendre et sauvegarder les intérêts et les acquis du tronc, le président Kodat de l'arrondissement de Rinvi entend travailler en symbiose avec ses membres. C'est à ce titre qu'il invite ces derniers à ne pas s'égarer des principes de la confrérie tout en faisant preuve de professionnalisme. On a eu un tronçon à Zorro, Rendi. On a eu un tronçon à Zorro.
pêche, dit-on. De la joie, oui. C'est ce que reflète du moins le visage de ces nouveaux membres qui ont désormais pour rôle contribuer à faire atteindre les objectifs de la confrérie. Vraiment, je suis content parce que d'abord je suis enfant du fétiche Tron, je suis Tron Mounonga, donc c'est mon œuvre. Ce que je suis en train de faire, c'est mon devoir de le faire, donc je suis content. Tout le monde est content, particulièrement tous les Rounons qui nous ont entourés. Sont tout le monde est content. Je demande de l'amour et la solidarité. Là où il y a l'amour, il y a tout. Donc je demande l'amour et la solidarité. Ce que je vais demander, c'est que, après l'installation, que les travaux continuent dans de bons sens. Dans de bons sens, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait l'installation. Et d'ici quelques jours, on commence encore par parler de désaccord, de ci et de ça. Il faut que les responsables installés ce matin soient vraiment soudés pour que l'ennemi ne les pénètre pas. C'est mon souhait que cela soit réellement une réalité pour que les joueurs venus, on ne parle plus de désaccord. Après les officiels, place à la manifestation de la joie collective. Rappelons également que l'arrondissement de Rinvi est le deuxième dans la commune d'Alada à installer officiellement ses membres. Espérons que ces derniers soient à la hauteur de la tâche à eux confiée.